Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment faire l'enregistrement en ligne auprès de Brussels Airlines. Alors, vous allez taper www.brusselsairlines.com, donc c'est ça le site. Et là, vous allez venir tout à droite ici. Ça dépend, peut-être le site peut être en allemand, donc vous pouvez changer la langue en français ou je sais pas quoi. Ce qui est sûr, il y a plusieurs langues, donc si vous choisissez un pays francophone comme la France, la langue sera en français. Donc, je le fais tout de suite, le français. Voilà. Vous allez voir que notre site est maintenant en français. Donc, il suffit de venir tout à droite ici, enregistrement. Et là, vous allez voir option d'enregistrement. D'accord? Et ici, vous allez voir vers l'enregistrement en ligne. Donc, ils vont vous demander ces informations. Donc, booking or ticket number, donc c'est comme le numéro de ticket. Donc souvent on va vous donner un numéro de ticket, donc le numéro de billet, soit la référence de la société aérienne. Donc vous allez, moi je vais utiliser la référence et le nom de famille. Donc après ça, vous allez accepter les termes et conditions et cliquer sur continuer. Ils vont vous donner les informations des bagages, ce qu'il ne faut pas prendre dans sa valise et ce qu'il ne faut pas prendre dans la valise à main, soit dans le sac à main. Donc rassurez-vous de tout lire pour voilà. Alors, vu que moi je connais déjà ce qu'il y a, donc je vais faire continuer. Je vais faire continuer. Voilà, donc ils vont vous demander votre date de naissance. Donc je mets ma date. Rassurez-vous que c'est pas mon vol, c'est le vol d'un ami, donc je devais faire ça pour lui. Donc, je vais vérifier sur son passeport pour me rassurer que les informations que je suis en train de mettre ne sont pas fausses, n'est-ce pas? Juste un instant, je vais vérifier sur son passeport. Où est la photo? Ouais, bah, c'est bien. Correct. Alors, sa nationalité, c'est un frère, donc c'est un Togolais. Voilà, donc, on clique sur continuer. Voilà, donc il y aura d'autres informations à mettre, donc le numéro de passeport, donc ça sera, je crois, et donc ça je vais cacher, d'accord, je vais couper cette partie pour la sécurité de mon client, soit de mon ami, voilà. Date d'expiration, donc vous allez mettre aussi la date d'expiration. Et là, le pays qui a émis le passeport, donc ce sera le tout. Et là, on fait OK. Voilà un peu, donc. Ils vont nous demander les contacts d'urgence et en cas d'urgence, voilà, le contact d'urgence. Donc, je vais mettre mon nom. C'est tout simple, hein. C'est comme un formulaire que vous êtes en train de remplir, il suffit seulement de lire correctement et puis bah voilà quoi. Donc vous allez voir que ce matin j'ai reçu un mail de la part de Brussels Airlines qui me dit bah voilà, donc votre vol a été modifié, etc. Donc ce ne sera pas le Brussels qui va prendre le vol, donc ce sera une autre société aérienne, donc le vol sera opéré. Donc, bah voilà, je sais pas pourquoi, mais voilà, donc ça va prendre quelques minutes et là vous allez voir que ils vont vraiment reprendre le vol, ils vont essayer de détailler un peu ce que vous avez. Donc voilà le site qu'ils nous ont donné, 39K. Donc on a la possibilité de changer, mais bon, moi je vais pas. Donc vous allez voir le statut du vol, vous êtes déjà enregistré, d'accord. Donc vous allez cliquer sur continuer. Donc moi j'ai pas je vais pas faire le choix, je vais pas changer de siège et tout ça, puisque ça sera peut-être payant. Donc je vais continuer tout comme voilà, s'il y avait rien en fait. Donc ils vont me demander d'imprimer
Donc, je vais demander d'envoyer le mail. Voilà. Et après, je vais aussi imprimer les boarding pass. Et télécharger, d'accord, pour envoyer ça à cet ami, puisque déjà. Et là, je vais vers boarding pass, process request. Vous allez voir que j'ai reçu un email tout de suite. Voilà le message qu'ils m'ont envoyé. You have completed your online check-in. You wish a pleasant flight. Best regards to Sarah Airlines. Check-in another person. Donc, si vous voulez enregistrer un autre passager, bah, voilà, donc, vous avez reçu les mêmes étapes. Donc, tout est OK, tout est parfait. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter. Mon gars est bien enregistré. Son siège, c'est 639K. Mais la porte n'a pas été indiquée sur moi. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vais l'envoyer ça tout de suite. Donc tout est OK, tout est cool. Il n'a plus à s'inquiéter. Ben voilà. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions par rapport à l'enregistrement en ligne, mettez ça en commentaire pour qu'on puisse vous répondre. Merci.